Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue en direct pour l'avant-match, le Havre Bordeaux, retour de la Ligue 2, 16e journée, et on va débriefer ensemble la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Bonsoir Monsieur Jonathan D'Agostino. Salut, bonsoir à tous, et puis joyeux Noël à tous nos socios avec un jour d'écart du coup. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va, on est impatient d'être à 19h, je grésille encore. Oui. Ça grésille, Joe. Je ne sais pas si tu as un câble pour relier ton casque. Alors, je vais me déconnecter, je vais revenir. Voilà, je te remercie. Bon, on est impatient. Oui, il l'a dit, hein, Jonathan, on est impatient. On va le laisser se déconnecter, se reconnecter. On est impatient de vivre cette reprise de la Ligue 2 ensemble, 16e journée de Ligue 2. Cette émission, je le rappelle, est diffusée en direct sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. On est 10 400 sur YouTube. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On va regarder ensemble la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux qui est tombée il y a quelques minutes. On va aussi regarder ensemble la composition d'équipe du Havre. Et on sera en duplex depuis le stade Océane, depuis le Havre, avec David Guzman qui est sur place dans 7 minutes. Voilà, je vais vous afficher la composition d'équipe des Girondins avec Jonathan qui est revenu. Ça va, Joe? Ça va, vous m'entendez bien? C'est bon, ça très bien, on t'entend très très bien. On t'entend très très bien. Et voilà, donc on commence par la compo des Girondins de Bordeaux. Tu m'as dit avant qu'on commence le direct, sans surprise. Ouais, c'est ce qui a été travaillé dans les compositions qu'on a pu voir, même si on n'a pas trop vu l'image des matchs, c'est ce qui a été travaillé durant la trêve de la Coupe du Monde. Donc au milieu, il fallait compenser les trois absences de Franck Sergio, Lacou et Sissoko combinés. Donc effectivement, il fallait trouver une solution, bricoler quelque chose. Mais c'est notre ami Mwanga qui a été élu, je pense, par Guillaume, mais aussi par beaucoup de socios de l'émission. On l'avait souvent entendu depuis plusieurs semaines. Donc bon, mais maintenant, on va le voir à l'œuvre sur ce poste-là. Pourquoi pas? Voilà. On va le voir à l'œuvre en vrai, en version officielle. C'est la même équipe qui a débuté face à Niort, hein, qui a pris 5 buts face à Niort la semaine dernière. Interrogé en conférence de presse, David Guillon avait dit que ça venait, ce score sévère venait du travail physique qui n'avait pas encore été digéré. Je rappelle, c'était mercredi. Donc, on est 5 jours après. Mercredi, jeudi, dimanche, lundi. On est 5 jours après. On espère qu'ils ont digéré. Non, puis rentrer aussi de leur stage au Portugal quelques jours avant, donc peut-être pour ça aussi, avec une température un peu différente aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on voit les images du match, c'était quand même, on a quand même pris des buts qui étaient un petit peu gênants, on va pas se le cacher. Maintenant, je préfère aller voir sur un match amical comme ça plutôt que sur un match officiel, un match aussi important face à une équipe qui est très très très, qui est peut-être la plus costaud de Ligue 2 à l'heure actuelle, donc voilà. Exactement, je donne le banc bordelais, Strouchek, le gardien polonais qui est sur le banc, Emeric Depucé, Emmanuel Bioumla, qui peut jouer donc central et au milieu aussi, comme Depucé, Delaurier Chaubet, Albert Sélis, qui est remplaçant quand même, il faut le noter, Lenny Piringuel et Malcolm Bokele, qui se contente depuis l'arrivée de Michelin d'un poste de remplaçant au final. Ouais, après on sait qu'il avait été blessé, il a quelques soucis aussi de santé à un moment donné, donc bon, c'est peut-être, il a peut-être effectivement malheureusement... Michelin a profité en tout cas de ça pour effectivement prendre les devants, et on a vu Michelin qui, entre guillemets, qui s'améliorait effectivement de match en match, même s'il y avait toujours ses petites lacunes défensives. Offensivement, Michelin apporte quand même quelque chose de non négligeable comparé à Bokele, donc c'est peut-être pour ça. Maintenant, sur ce match là j'ai quand même, je pense, l'idée que Guillon a prévu plutôt qu'on attende l'adversaire, parce que le Havre est l'équipe qui a la meilleure possession de Ligue 2 et qui a le moins de déchets en Ligue 2, avec le moins de ballons perdus par match. Donc je pense qu'on est censé attendre l'équipe pour pouvoir après exploser derrière. Je pense qu'Ensimba et Michelin auront plutôt le travail sera plutôt axé défensif qu'offensif. Maintenant, dès qu'il y aura une possibilité, je suis persuadé que ces deux-là vont monter, que Mwanga va permettre de combler entre guillemets la montée des deux latéraux. Voilà. Oui, parce que ce qu'on a vu quand même, pour le dire à ceux qui n'ont pas suivi les matchs de préparation, c'est qu'en phase offensive, tu as Mwanga qui glisse
qui glisse à, hop, sur le côté de Nsimba. Nsimba qui monte et Michelin qui monte. Et on se retrouve avec trois défenseurs centraux, deux latéraux, Nsimba, Michelin, qui sont assez offensifs finalement, et notre ligne d'attaque. Ouais. Et on a, et on a vu souvent des buts qui sont arrivés face à Niort dans le dos, dans, sur ses côtés. En fait, comme tu as le latéral qui monte, c'est arrivé dans le dos, soit à gauche, soit à droite. Ouais. Donc c'est là où on est peut-être en danger sur ce type de situation. C'est ça, à savoir ce qui est demandé. Est-ce que Mwanga doit s'occuper du côté gauche et Niatinko du côté droit, ou est-ce que Niatinko doit jouer plus haut, entre guillemets, entre l'attaque à défense, et Mwanga couvrir effectivement, enfin protéger un peu plus la défense et rester en place. On va voir un peu plus ce qui est demandé là sur ce match-là. Comme on n'a pas trop eu d'image des matchs en direct, on a vu que les actions de but, donc c'est toujours pareil. Mais voilà, est-ce que Mwanga a encore la capacité effectivement à bien anticiper les montées, à bien couvrir effectivement les montées de la tour, en sachant que c'est un défenseur central de base. C'est quelque chose aussi à prendre, ça ne s'apprend pas comme ça. Donc, mais il a quand même un sens de l'anticipation qui est plutôt intéressant. Donc je pense qu'il a quand même la capacité de s'adapter en restant en place. Et j'ai trouvé plutôt intéressant sur les matchs amicaux, notamment le premier et le deuxième match, où on voyait qu'au milieu, il avait un impact lors du pressing et la récupération. Quand on était assez haut, il avait un bon impact. Quand on était à la récupération assez haute. Donc voilà. Je salue les sociaux qui sont là, Didi et tous les autres. J'ai vu Frédéric Siez aussi également. Polichinelle 33 qui nous soutient toujours. Je le salue puisqu'il a fait un renouvellement de son soutien. Je voulais ajouter une chose et je l'ai mangé, c'est pas grave. On sera en direct depuis le Stade Océane dans 2 minutes avec David Guzman qui sera avec nous. Je rappelle que cette émission est en accès libre et qu'elle est diffusée grâce aux sociaux qui nous soutiennent. Donc, si vous le pouvez, devenez sociaux. Et je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez accéder à la page des sociaux. Voilà, il est sur les chats. On regarde la compo peut-être du Havre rapidement avant d'avoir David. On regarde notre adversaire. Elle va s'afficher dans un instant sur les écrans. On rappelle le contexte du Havre. Tu peux peut-être le rappeler, Joe, avec tous ces joueurs qui étaient qui étaient incertains avec un syndrome grippal. Ouais, il y avait 9 joueurs qui étaient touchés, donc c'est un titulaire qu'on voit généralement. Alors, il y a que Alioui qui pouvait être titulaire en 9, qui ne l'est pas. De ce que j'ai vu sur la composition, il est remplacé par Thierry qui revient d'une petite blessure, qui remplace aussi Kitala, lui qui revient d'une grosse blessure du coup. Donc voilà, Kitala et Alioui sont sur le banc, donc ils ont quand même une force offensive quand même sur le banc quand même qui est plutôt non négligeable pour eux. Et c'est Thierry qui joue en pointe. Et effectivement, il y avait des joueurs comme Casimir, comme El Hadjam. La compo là. Quoi. Alors c'est le 11 avec le tweet du club. Ouais, mais c'est l'équipe habituelle, sauf le 9. Voilà, il n'y a pas de surprise. Mais effectivement, il y a des joueurs qui ont été touchés par ce virus-là. Et Elsner a indiqué qu'il y avait quand même des joueurs, il avait l'impression qu'ils avaient perdu complètement la préparation quand ils sont revenus. Apparemment, c'était un état grippal, un petit peu comme ce qu'il y avait eu à l'équipe de France là, pendant la Coupe du Monde, un petit peu avant la finale. Donc, alors, comme le disait Patrick, est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est vrai? Voilà, on va le voir assez rapidement sur le match. Et de toute façon, on va voir si El Hadjam, qui est plutôt en latéral, qui a tendance à bien monter et à être assez actif sur son côté, on va voir s'il a la même activité. On va voir si un Casimir, qui est quand même un jeune, un peu faufolé, aura aussi la même activité. On va vite le voir, je pense. On a Richardson aussi, qui est international espoir. Ouais. Un très, très bon joueur. Hein. T'as Sangaté aussi, qui est un joueur de base de la défense centrale, qui a été blessé pendant la petite trêve aussi, qui est sorti lors du match contre Guingamp, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est vite revenu. Mais quand on regarde le banc aussi, notamment, on regarde que sur les côtés, il n'y a aucun latéral. Donc, si El Hadjam est un petit peu dans le dur, alors il a déjà bricolé, hein, c'est déjà arrivé qu'il ait des suspensions, notamment Casimir, qui est un ailier droit qui a joué latéral gauche lors de match, je ne sais plus lequel du coup. Donc, il va quand même bricoler. Elsner, il est capable de bricoler. Et on sait que le collectif du Havre est assez costaud et c'est une équipe qui a quand même un bloc assez fort et les joueurs qui se donnent vraiment. Donc, ils peuvent bricoler malgré tout. Mais on sent que s'il y a un ou deux joueurs dans le dur, notamment derrière, il peut manquer de solutions pour Elsner et ça peut être quand même une problématique pour eux. En sachant que, effectivement, l'équipe est quand même composée de joueurs un peu revanchards et d'équipes très jeunes. C'est une équipe très jeune, c'est la deuxième équipe la plus jeune après les Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Donc, il y a un contexte particulier là. Allez, on accueille, il est là en direct du HAC, c'est monsieur David Guzman. Bonsoir et bienvenue, David, à toi. Salut les gars, vous m'entendez?
On Très t'entend bien. très bien. Bon, tu es dans la Alors, tribune du stade Océane? exactement, je suis dans la tribune du stade Océane et figurez-vous que j'ai la chance d'être assis à côté d'un supporter des Girondins, qui est supporter des Girondins depuis des années, j'irais, c'est Tigana. Donc voilà, donc on a un peu papoté. Avant, j'ai croisé Laurent Crossi, qui est très familier de WAP Girondins. J'ai croisé Gino. Donc voilà, donc écoutez, ça fait du bien de se sentir un peu en terre, un peu moins hostile. Vous avouerez que les Girondins ont été quand même assez sifflés à la rentrée au stade. Mais Ouais. une ambiance très bon enfant. Je me suis baladé un peu dans la ville. C'est vrai que les supporters, en fait, sont très attendent beaucoup ce match. C'est un match, non pas de gala, mais c'est vraiment le premier contre le deuxième. Le stade sera pour la première fois, en fait, depuis l'inauguration, à guichet fermé. Il y avait même des attractions, en fait, en dehors du stade, sur le parvis, qui est un peu moins grand à proportion un peu plus humaine que le parvis du Matmut. Donc non, non, vraiment, là, les ultras, à vrai, commencent déjà à chanter. On sent que c'est une ambiance de grand soir. Bon, merci d'être avec nous pour 5 minutes. Hein. Est-ce que les Pas de souci. supporters des Girondins sont arrivés le parcage? Ils sont déjà Non, là? je les ai pas encore vus rentrer dans le stade. Je les cherchais justement, je les ai pas encore vus. Et toi, tu es à côté d'eux? Tu es installé à Non, côté d'eux? non, 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 Ou... non, 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 moi je suis en tribune centrale en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et Donc je suis. est-ce qu'il y a beaucoup de Vas-y. supporters des Girondins dans le Bah, stade? ils sont très discrets pour l'instant. Je n'en ai pas beaucoup D'accord. vu arborer en fait des articles permettant d'identifier les supporters des Girondins. Je pense qu'ils sont assez discrets. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait le déplacement, mais pour l'instant assez discrets. Bon, David, je pose encore une ou deux questions au maximum. Vas-y. Tu t'attends à quoi, à quel type de match? Alors déjà l'ambiance, comment est l'ambiance là à 30 Ça minutes commence du coup vraiment à d'envoi? monter. Très franchement, Ah ça bon? commence vraiment à monter D'accord. pour un match de Ligue 2, en fait, de haut de tableau de Ligue 2. Voir un stade aussi plein, aussi tôt, on sentait une certaine excitation aux abords du stade. C'est avec une grande rencontre. Très franchement. Bon, t'as vu la composition d'équipe? Ouais, j'ai vu la composition d'équipe, j'ai vu les deux compositions d'équipe et je t'avoue que je scrutais la composition d'équipe de façon plus insistante côté Havre pour voir si la grippe, entre guillemets, c'était pas du bluff ou pas. On se demande si Lucas Eisner et Mathieu Bodmer ne nous ont pas joué un petit tour pendable en gonflant un peu artificiellement l'importance de cette grippe. Puisque à part Alioui qui était attendu en pointe, c'est Thiaré qui débute. Il débute pour la première fois depuis le mois d'août. Il n'y a pas énormément de surprises dans sa composition. Donc peut-être qu'ils vont jouer en étant amoindris, mais c'est quand même deux équipes types du moment, quoi. Et la composition bordelaise, bah, le 4-2, je vais faire plaisir, Nico. Je vais dire que c'est un 4-2-3-1, mais c'est un peu le 4-2-3-1, 4-4-2 4-4-2. annoncé, quoi. Ouais. Ouais, Oui, le voilà. 4-2 Et, annoncé. écoute, on a mis la bonne compo sur Web Girondin ce matin. C'était celle que c'est la même que Tout face à à fait. Niort, en fait. Tout à fait. Comme souvent. Ouais, Donc donc bon, voilà. on sait pas si c'est de bon augure. Je te redemanderai pas ton pronostic. Est-ce que tu l'as changé par rapport à lundi Non, pas soir? du tout. Je reste confiant. Tu restes confiant. 2-0, tu avais pronostiqué. Exactement. Je reste Ouais. confiant. Bon, mais c'est bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Joe, tu veux lui dire un mot? Ouais, Joe, c'est quoi Non, la clé? juste. Ce sera le milieu, tu penses? Non, la clé pour moi, ça va être déjà les coups de pied arrêtés parce qu'on sait que le Havre est très très fort sur les coups de pied arrêtés. Donc déjà, il va falloir appréhender un petit peu ça. Et je pense que la clé, ça va être sortir un petit peu le Havre de son confort de la possession. On sait que c'est une équipe qui adore avoir la possession, qui adore repartir depuis la défense. Donc il va falloir couper les liens entre la défense et le cal, qui est la première lampe de renseignement. Ouais. Et également couper le milieu avec les côtés parce qu'on sait que sur les Le côtés aussi, c'est très performant. Donc le côté, calque a été ouais, un peu qui a bombé un peu le torse local. Hein. Ce matin en interview, qui dit oh, moi j'ai jamais regardé, jamais vu jouer les Girondins. Bon. En tout cas, ce Après, que c'est un j'ai aimé, personnage c'est apparemment. que Il les verra ce soir. moi j'ai aimé le petit sourire un peu ironique de Gaëtan Poussin qui s'est fait siffler première entrée, qui s'est fait siffler et il a regardé ce qu'il sifflait d'un air de dire avec un petit clin d'œil, d'un air de dire. Attendez de voir, ça n'aura pas de plus sur moi. Moi, j'ai aimé. Ah. Mais Bon, écoute, ah, Saint-Étienne qui vient de revenir au score apparemment. deux buts à Voilà, 2 deux buts buts à 1. à Ils sont menés 2 deux buts à 1. buts Ouais, à ils sont menés 2 buts à 1. Bon, David, on te souhaite un très bon match. Profite Bah, merci de la beaucoup. soirée et puis on te dit à très vite. Merci d'avoir été Ok, avec nous. et j'écouterai le débrief à chaud avec attention dans la voiture. Allez, Tout à fait. salut les gars Allez, et les Bordeaux. bonne Salut les soirée. gars. Ciao, ciao. Ciao. Je vous remonte la composition d'équipe. Et ce que je voulais dire, parce que j'ai vu passer les messages sur le chat,
C'est que Lacou est suspendu, Franck Sergio est suspendu et Sissoko est blessé. Il revient de Ouais. blessure, il revient d'une opération. Donc, Sissoko n'est pas attendu avant mi-janvier. A priori, c'était les dernières indiscrétions qui sont sorties dans la presse. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur le terrain. Suspension, Franck Sergio Lacou et Sissoko blessés. Joe, on voit que l'ambiance commençait à monter dans le stade. Ça va être quoi la clé du match? Bah, et comme je l'ai dit, c'est que c'est une équipe qui adore la possession, qui aime avoir le ballon, et pour ça leur permet de bien maîtriser leur match. Ils adorent maîtriser leur match, on le sent. Ils laissent peu de place au doute. Quand ils sont bousculés, on sent que c'est justement quand les équipes arrivent à les priver un petit peu leur possession et arrivent un petit peu à casser les liens qu'il y a entre certains joueurs, comme je dis notamment la défense avec le cal et aussi le milieu avec les côtés, parce que le jeu passe beaucoup par les côtés, donc il va falloir être très fort sur les côtés. Les Bakwa et Davitashvili vont devoir beaucoup travailler quand même défensivement pour aider les Nsimba et les Michelin. Amwanga aussi et Ignatenko d'avoir un fort impact au milieu. Et Maja va être important dans le sens où lui va pouvoir normalement, je pense que sa mission va être entre guillemets de justement de priver le cal, entre guillemets de gêner le cal dans les entre guillemets dans son positionnement pour recevoir le ballon. Et Abadji d'aller chercher un petit peu les défenseurs aussi pour aller gêner un petit peu les relances et les embêter. Je pense qu'il faudra aller les chercher de temps en temps pour essayer un petit peu de créer justement des fautes techniques de leur part, même si c'est plutôt rare, mais je pense qu'il y a quand même moyen un petit peu de les gêner à ce niveau-là. Et puis il y a aussi une clé pour moi, c'est que on aura des occasions. Le Havre subit quand même des occasions, on va pas se le cacher, surtout sur les derniers matchs. Ouais. On sait qu'on n'est pas, on a tendance à pas vraiment être tueur dans la surface. J'attends beaucoup de Badji sur ce match-là, maintenant qu'il a fait une préparation, qui voilà, on sait que cet été ça a été un peu compliqué pour lui. Là, il a quand même une coupe de 5 semaines pour vraiment se préparer physiquement et être apte à jouer. Il a été titulaire sur les 3 matchs de préparation qu'on a vus, en tout cas les premières mi-temps sur le premier match et contre Niort, il a été titulaire aussi. Je l'attends là pour qu'il lance sa saison et je sais que quand il lance sa saison, généralement il met un doublé. Donc s'il peut nous mettre un doublé ce soir, ça nous arrangerait de ce que j'ai vu dans ses stats passés. Donc à lui de faire ce qu'il faut dans la surface de réparation, c'est là qu'on l'attend, on sait qu'il en est capable. C'est un joueur que tu verras pas beaucoup dans le jeu, je pense qu'il peut disparaître pendant une demi-heure, mais par contre s'il y a le pied à mettre quand il faut, il est capable de le mettre. Donc je Bon. l'attends, pour moi ça peut être un petit peu l'homme clé de ce match-là, et je pense qu'on D'accord. a la situation et c'est à lui effectivement de pouvoir les finir. Voilà. Eh bien, très bien, je salue Frédéric Largorski socio, Léonce aussi, Alain qui vient d'arriver également, tous ceux que je vois passer, ALMZ, je crois que c'est Loïc aussi, que je salue et qui nous dit salut à tous, content de vous retrouver. Et oui, on est content de se retrouver devant le match des Girondins qu'on va pouvoir suivre ensemble, du moins avant et après, pas pendant, et le débriefer. Est-ce que tu maintiens ton pronostic, Joe? Ouais, 0-0 parce que ça, il me semble que j'avais dit 0-0, enfin, en tout cas match nul. Je vois pas un match à but, je vois plutôt un match tactique parce D'accord. que nous concrètement, on a plus, on va dire, la pression du résultat que les Havrais sur ce match-là, je pense, parce que si on perd, on laisse le Havre à 7 points. Et le Havre, avec 4 points d'avance, a un joker pour eux. Donc, je pense qu'ils ont moins la pression du résultat. Après, ils ont plus la pression du contexte avec le premier match à guichet fermé, avec le... Ouais, voilà, mais Voilà. je m'arrête juste là. La pression, elle est quand même sur les épaules bordelaises, parce que le Havre, ils nous reçoivent, ils ont 4 points d'avance. Ils peuvent jouer quand même de façon plutôt détendue cette rencontre, en tout cas libérée. Détendue, je ne sais pas, mais libérée. Sur ce point-là, oui. Après, tu as un contexte, tu as un engouement et aussi tu vois qu'elle se nerve sur les interviews qu'il y a eu et sur les conférences. Tu vois qu'on lui posait beaucoup la question, maintenant vous êtes favori, il va falloir assumer et lui botter en touche à ce niveau-là. Comme c'est une équipe jeune, là, ils ne s'attendaient pas à être premiers, là, à l'heure actuelle, vu l'été qu'ils ont eu, parce qu'il y avait beaucoup de changements dans l'effectif et dans l'organigramme du club. Eux, ils pensaient justement démarrer gentiment et construire quelque chose petit à petit. Donc, ils ont un statut qu'ils n'avaient pas prévu. Maintenant, là, la reprise, on sait qu'on va partir sur un second championnat, on va dire, dans la saison. Donc, il y a une pression supplémentaire pour eux à ce niveau-là. Le public, on va voir aussi, c'est la première fois qu'ils jouent à guichet fermé, on sait qu'il y a un engouement qui commence à avoir un petit peu de l'attente aussi autour d'eux. Ça peut être un bon point comme un mauvais point pour eux. Il va falloir aussi que l'équipe gère ça, et notamment les jeunes qui ont 20-21 ans, comme Kechta ou comme Casimir, qui sont des jeunes du centre de formation qui font leur première saison en pro. Donc il y a des paramètres à eux à prendre en compte. Maintenant, nous, effectivement, on a une pression du résultat parce que si on perd, déjà, on va perdre sans doute notre deuxième place. Et en plus, on va laisser partir le Havre à 7 points pour la montée. Et nous, on se met vraiment en candidat à la montée. Ce match-là, si on le perd,
ça va commencer peut-être à poser problème. Donc, on a une pression. Après, comme j'ai dit, moi, j'attends plutôt un match, un combat tactique plus qu'autre chose, un combat où il va falloir être présent sur les duels. Et puis, je suis curieux aussi de voir l'état physique quand même des deux équipes, hein, pour savoir ce qui a été fait, On ne sait notamment. pas trop, c'est un peu l'inconnu ce retour après la trêve. Hein. C'est C'est ça, vrai que c'est un voilà. peu l'inconnu. Hein. C'est ça. Mais normalement, les Girondins sont censés être quand même mieux préparés, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils ont beaucoup axé la trêve sur la préparation. Ça a été ce qui a été indiqué après le match de Niort, hein, de toute façon, sur les difficultés des joueurs. Donc, j'attends quand même une équipe de Bordeaux qui a effectivement physiquement qui soit bien et que le homogène, en tout cas, dans les joueurs qui vont composer l'équipe. Le Havre, j'attends de voir effectivement l'impact qu'a eu ce fameux virus. Et on sait que, voilà, sur la préparation, sur la trêve, les résultats n'ont pas été très bons. Les joueurs, il y a eu quelques bobos, etc. et tout. Donc, eux aussi, sur l'aspect physique, peut-être qu'on peut avoir un petit bonus supplémentaire par rapport à eux. Voilà. Il faut se rappeler qu'il n'y a plus la de VAR. Hein. Il n'y a plus la VAR. Non, mais il n'y a Après jamais eu la le VAR Coupe en du Ligue Monde. 2. Ouais. Ouais, Jamais eu la non, VAR en Ligue 2. Il n'y a non, plus, pas en Ligue oui, 2. non, Ouais. parce qu'on a eu l'intermède Coupe du Monde, entre guillemets. Et je suis en train de regarder en même temps parce qu'il y a eu un accrochage entre Saint-Étienne et Annecy. Annecy qui mène 2-1 face à la SSE. Il y a un ancien Exactement. Bordelais à Annecy. Hein. On le sait, Steve Chamal. Je ne sais pas si vous Ouais, vous souvenez, tout qui a fait. fréquenté la formation bordelaise. Tout à Les fait. autres matchs de la soirée, je rappelle, donc Annecy-Saint-Étienne, c'était à 17h. Bordeaux joue à 19h. Tous les autres matchs sont à 21h. Donc, ça veut dire que c'est sur les coups des 23h qu'on connaîtra le classement. Et Sochaux, qui est en embuscade hein, derrière nous au classement, accueille Rodez, hein, donc sur son terrain. Et Grenoble aussi, qui est en embuscade avec 26 points. De son côté, Grenoble, qu'est-ce qu'ils font les Grenoblois? Ils vont à Quevilly-Rouen. Donc, ce sont des équipes qu'il faudra surveiller, notamment les résultats de ce soir. Est-ce que tu maintiens ton pronostic du coup de Joe 0-0? Oui, je reste sur un 0-0. D'accord. Après, ça dépend de ce qui se passe en tout début de match. S'il y a un but qui est marqué très vite, effectivement, ça peut décanter beaucoup de choses. Mais je reste persuadé que ce ne sera pas un gros match un gros match à occasion. Ce sera plutôt un match effectivement tactique et un vrai combat, dans le bon Ouais. sens du terme. Hein. Voilà, donc je m'attends à un combat. Il va falloir qu'on réponde présent avec les Barbé, Niatenko. Il y a des guerriers comme ça qui vont devoir répondre présent, qui vont devoir être présents d'entrée et montrer un petit peu l'exemple à nos jeunes. Donc Alors, le voilà. dispositif tactique, je vois Jérémy qui pose la question. Est-ce que tu. Alors, ça dépend si tu es en phase offensive ou défensive, en fait. Ouais. En phase défensive, tu seras en 4-4-2 avec Normalement. Bakoua et David Tajvili qui vont revenir sur les côtés et Maja et Badji devant. Et en phase offensive, tu vas avoir Mwanga qui va prendre la place de Nsimba. Nsimba va monter devant. Gregersen va se décaler central droit et Michelin va passer devant. Donc en phase offensive, on est sur quoi? Un 3, je ne Ouais, sais pas quoi. On ne sait pas non, trop, parce que ce ouais. match face à Niort, c'était tellement bizarre et on avait le sentiment, moi, alors parce que j'ai vu que des bribes de match, mais on me l'a raconté, plusieurs personnes m'ont donné leur avis sur ce match, ils suivent les Girondins au quotidien, ils avaient le sentiment que ce n'était pas un dispositif tactique qui était très maîtrisé par l'équipe. En tout cas, c'est l'impression qu'ils ont eue Non. sur le match de Niort. On peut avoir une impression différente ce soir. Mais bon, Non, mais sinon, voilà. après, même si quand on est en phase offensive, tu as l'impression que Bakwa et David fait les ailiers rentrent dans le cœur du jeu pour libérer aussi l'espace après au niveau des Pour les couloirs aussi. latéraux. Voilà, donc c'est vrai que c'est un système qui était assez mouvant, donc c'est pas, effectivement, c'est pas bête, mais après, il faut éviter que les joueurs se marchent dessus, c'est toujours pareil. Et les matchs de comparaison, alors on voit qu'offensivement, il s'est contre Niort, offensivement, on s'est créé beaucoup d'occasions. Par contre, Oui, c'est nous marque qui avons eu trois buts. le. C'est ça, c'est nous qui avons le plus d'occasions. La problématique, c'est qu'on n'a pas, on a toujours ce petit côté où on n'arrive pas parfois à tuer parfois, effectivement, on va dire, à être des tueurs, à mettre vraiment le ballon au fond des filets quand il faut. Parce qu'on est revenu quand même 2 fois au score contre Niort. C'est à la fin où, effectivement, après, on n'a pas pu revenir parce que peut-être que physiquement, c'était un peu compliqué. Mais à chaque fois, on revient au score. On était mené 2-0, on revient à 2-2. On était mené 3-2, on revient à 3-3 à chaque fois. Donc, offensivement, on a répondu présent. Défensivement, c'était un peu plus compliqué. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop aussi laissé porter vers l'avant et que peut-être que effectivement Tiens, je vais donner une stat après. les joueurs se sont un peu emballés. Peut-être que Guillaume aussi a revu sa copie et qu'il se dit que face à Le Havre, on ne peut pas non plus se permettre d'être tout le temps offensif. Comme j'ai dit, je pense que Michelin et Nsimba vont quand même devoir penser d'abord à défendre avant d'attaquer, pour moi, sur ce match-là. À chaque fois que le Havre a ouvert le score cette saison, ils n'ont jamais perdu. Ils l'ont ouvert 10 fois, je crois, le score, c'est la stat, je la donne de mémoire. Et ils n'ont encaissé que 6 buts depuis le début de la saison. Le Havre, c'est la meilleure défense du championnat. 6 buts encaissés en 15 matchs. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que c'est une équipe qui maîtrise vraiment, qui fait en sorte de maîtriser son sujet.
la possession, ils perdent très peu de ballons. Voilà, ils savent entre guillemets calmer le jeu quand il faut, quand ils sont en difficulté, ils récupèrent un petit peu le ballon, ils font tourner. Après, il y a eu des matchs, comme on l'a vu contre Quevilly ou contre Rodez, où ils font un match nul alors qu'ils mènent 1-0. Il y a eu des matchs où ils sont un petit peu relâchés. Ça s'est vu aussi. Donc, ils ont pris. Voilà, ils sont pas parfaits non plus, attention, mais c'est une équipe effectivement qui fait en sorte de maîtriser au maximum son sujet. Des équipes ont réussi à les embêter, mais sur un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. On n'a pas encore vu une équipe qui arrive vraiment à les embêter sur 90 minutes. Ils ont eu du mal sur les deux premiers matchs, pour vraiment lancer, ils sautaient sur un match nul et une défaite. Par contre, ça fait 13 matchs où effectivement ils sont très 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 solides, ils sont compliqués à bouger. C'est un bloc solide, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun est là pour aider le collègue qui est en face, chacun connaît un petit peu aussi le collègue qu'il a à côté de lui. Donc voilà, collectivement, c'est l'équipe la plus forte que j'ai vue. Il n'y a pas de grosse individualité, on le voit, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf tueurs, il n'y a pas de. Voilà, à part Victor Lecal au milieu, qui effectivement est un petit peu. Entre guillemets, on va dire le barnum, effectivement, avec le ballon, quand ils ont la possession du ballon, c'est lui qui est un peu Allez, la lampe de rancement. je vous Mais donne voilà. une, ouais. Je vous donne une autre, excuse-moi, je te coupe. Je vous donne les Non? moyennes d'âge des deux équipes. Le 11 Havrais a une moyenne d'âge de 25,9 ans et le 11 Bordelais a une moyenne d'âge de 24,8 ans. Voilà, un an d'écart en moyenne d'âge. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence d'expérience entre les deux équipes. Non, c'est les deux Voilà. équipes les plus jeunes en termes d'effectifs global, de toute façon, en Ligue 2. Donc, Voilà. comme quoi la jeunesse marche bien en Ligue 2, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On peut faire confiance aux jeunes, il n'y a aucun problème. Eh bien, Joe, merci. J'attends vos pronostics là sur le chat à allez, 20 minutes du coup d'envoi. Même pas, 15 minutes, quasiment du coup d'envoi. Donnez vos pronostics. J'ai vu passer pas mal de scores pour une victoire. Je vois Joe, tu regardes le match. Il y a Saint-Étienne qui essaye d'égaliser. Moi, mon pronostic, il reste le même, hein. J'espère qu'il ne va pas se réaliser, hein. Je ne vois pas gagner et j'ai peur qu'on perde. Et je pronostique une défaite. Mais j'aimerais qu'on gagne. Mais j'ai du mal à croire que ce soit possible. Mais il y a tellement d'inconnus que bon, Et toi, pour toi, c'est quoi la clé du match, du coup, Nico? moi, la clé du match, c'est le milieu de terrain et la maîtrise tactique. Et j'ai très peur qu'on se fasse prendre sur les côtés dans le dos. On l'a tellement vu ces dernières années à Bordeaux, à chaque fois qu'on joue avec trois défenseurs centraux, qui est finalement un système qui nous convient assez peu, qu'on a rarement vu maîtrisé par notre équipe, quel que soit finalement les entraîneurs. Hein. C'est vrai, Il y en a ça qui fait un essayent de le mettre en place sur entraîneur et ça n'a jamais fonctionné. Alors là, je souhaite que ça fonctionne. Et Mwanga, je suis très curieux de voir l'attitude de Mwanga au milieu. Et je suis très inquiet du placement d'Ignatenko, de son replacement et de sa maîtrise tactique, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a besoin de travailler tactiquement et qui n'est pas forcément aussi carré qu'à la coupe, qui arrive à bien couper les lignes. Voilà. Lui, Donc, David il Tachvili y a aussi. changement tactique. Voilà. Je Ouais, suis inquiet. Donc, j'espère être surpris. Et le niveau physique des joueurs aussi m'interroge. forcément, forcément. Mais je pense qu'on est tous pareils. Vu qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir des matchs pendant la trêve, malheureusement, il y a eu quelques soucis au niveau des diffusions de la part des Girondins, ce qui est un petit peu dommage pour nous. Après, est-ce que c'est voulu ou pas? Voilà, est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que c'est du bluff aussi pour justement pouvoir vouloir cacher certaines choses? Je me suis posé la question, mais Il a rien caché, hein, Guillaume, au final. normalement non. Mais après, c'est Non. vrai qu'on n'a pas les images non plus pour vraiment voir après effectivement un petit peu les défauts et les bons côtés de ce système qui a été travaillé, de cette composition qui a été travaillée. On sent que de toute façon, ce match est préparé depuis un mois. On l'a bien compris maintenant parce qu'il n'y a pas de surprise sur la composition, donc. Oui. Et attention à Clément Michelin aussi, qui je vois passer le message. Et oui, c'est un joueur qui nous a quand même coûté, je trouve, pas mal de buts. On a pris beaucoup de buts sur des situations où il était impliqué défensivement. Je sais qu'il apporte beaucoup offensivement. Oui, il apporte plus que Boukele offensivement. Néanmoins, attention à son remplacement défensif, pris dans le dos. Si ça coulisse pas assez, voilà, tu peux vite te faire prendre. Et on sait que ça vient souvent de ce côté. Et c'est Même Cornette, en si. plus de son côté, c'est l'un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés, l'un des meilleurs centreurs effectivement de Ligue 2. Il a un pied qui est très très intéressant pour un joueur de Ligue 2 en plus. Michelin, mais aussi David Tachvili, il va falloir qu'il fasse ses efforts effectivement pour aider Michelin et pour bloquer un petit peu les côtés. Parce que même le latéral Opiri, pareil, il est quand même auteur de deux buts et une ou deux passes décisives aussi. Donc c'est pareil sur ce côté-là. Les latéraux apportent beaucoup, attention. Donc les dédoublements, etc., ça fonctionne bien. Donc il va falloir que les milieux côtés fassent les efforts pour moi pour aider nos latéraux. Parce que on sait que Michelin parfois est en difficulté défensivement. Mais sur un match comme ça, même le meilleur latéral, s'il n'est pas aidé, il va être en difficulté de toute façon. Donc voilà. Allez,
On va aller s'installer devant le match. Il est 18h51. N'hésitez pas à liker. Hein. Vous avez beaucoup de connectés, pas beaucoup de likes sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite à toutes et tous un bon match. Joe, un bon match. Peut-être à tout à l'heure dans le débrief. On est nombreux. Il y a Samuel Vasselin qui est là dans le débrief. Il y a Nikos. Donc, il y a Samuel. Il y a Nikos. Il y a Marvin. Il y a Stéphane. Et moi. Et si tu veux te joindre à nous, tu peux. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je serai disponible. Allez. Bon match. Les amis, allez Bordeaux, et à tout à l'heure, on se quitte avec le générique des sociaux. Ciao. Bon match.